fantasme de l'échec. Moi, je suis une victime de l'art. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vous disent c'est merveilleux, il y a des beaux discours dans les livres, partout, à l'art, c'est tellement merveilleux, une aventure, tout ça. Par exemple, moi, ma femme, on interdira à notre enfant de faire de l'art. Et ça, comme par exemple ma femme dit toujours, si mon fils a la moindre ambition artistique, je ferai comme le papa de Nourayev qui le fouettait pour l'empêcher de danser. Il n'est pas question de... C'est-à-dire, c'est une activité... Il s'agit d'une réflexion 5, poétique et excentrique 4, sur la question, 3, la notion 2, de l'échec au sein du milieu 1, artistique. 0. Rémi Peregrine, sociologue, spécialiste de la culture et du travail. D'où vient cette idée qu'une vie est représentée comme une ligne droite dont la valeur ne peut être appréciée qu'en termes de réussite ou d'échec? Évidemment, cette idée ne va pas de soi. Avant de partir, je me suis fait tirer les cartes. Vous passez bien, hein. Vous pouvez être en haut de l'affiche si vous voulez. Il faut vous donner un peu la peine si vous voulez, vous pouvez quand même. Hein. Vous contentez de ce qu'on vous donne, vous. Hein. Je peux vous dire que là, si vous faites vos projets, ça marche. Hein. D'accord. Il y a une augmentation.